Bonjour les amis, aujourd'hui je suis à Dax et je suis venu très tôt ce matin pour m'entretenir avec un client qui m'a commandé une série de conférences sur plusieurs semaines d'affilée pour leurs encadrants, pour les cadres, pour les postes à responsabilité. Et ce qui est toujours intéressant dans la préparation de mes conférences, c'est de rencontrer les clients au préalable pour pouvoir apprendre à connaître l'entreprise. Et c'est vraiment à chaque fois très enrichissant. Et puis c'est quelque part également une position privilégiée parce que cela me permet de voir les entreprises de l'intérieur, chose que souvent en tant que commun des mortels, que particulier, on n'a pas justement connaissance. Et le fait de comprendre les entreprises, c'est un petit peu comme les relations qu'on a entre hommes et femmes, entre humains. C'est le fait d'écouter et de comprendre comment on fonctionne nous permet de mieux les comprendre et de mieux percevoir comment les choses fonctionnent. Et ça nous permet de sortir des préjugés. Donc il faut que je laisse passer la voiture. Donc aujourd'hui, j'ai eu même le privilège de visiter justement un site qui me permet de mieux comprendre le fonctionnement de cette entreprise dont vous voyez le logo ici derrière. Et voilà, c'est toujours des moments privilégiés. Et puis, comme toute chose, vous savez, quand je fais une conférence, je ne viens pas les deux doigts dans le nez, je fais mon pitch et je fais ma présentation. Non, ça se prépare toujours et je personnalise toujours mon message. Et le fait de pouvoir venir justement chez ces clients me permet d'avoir un message qui est vraiment ciblé. La preuve, je viens ici avec un dossier, un questionnaire pour pouvoir apprendre à connaître les problématiques, les besoins, les points forts, les points faibles d'une entreprise, les soucis, les peurs, les blocages, les craintes, les objectifs, les projets. Voilà, c'est toujours très très intéressant. Et déjà, le fait de programmer, de planifier et de préparer ces conférences, c'est déjà un peu y être. Je trouve ça fantastique. Et ça, c'est un métier qui me fait rencontrer beaucoup de monde et j'en éprouve énormément de joie et de bonheur. Voilà, je voulais vous dire, pareil pour vous, prenez le temps de préparer les choses, prenez le temps de préparer ce que vous faites, prenez du plaisir dans ce que vous préparez parce que le jour où vous réaliserez ce sur quoi vous travaillez, vous serez satisfait, content. Voilà, le succès, ça vient également suite au travail, aux rencontres, et voilà, et continuez à vous émerveiller, à découvrir, chose que je fais de façon quotidienne. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux, à très vite.